Coucou, petit Olnos. Non, ça, je vous le mettrai après. Concrètement, j'y vais, action une fois par mois, nose deux fois. Donc là, c'est réglé pour moi. Parce que j'y suis allée il n'y a pas longtemps, il me semble. Petit hall. Alors, moi, j'y suis allée parce que j'ai vu Nalkeval qui a trouvé des dyes. Hein. Qui dit dyes, vous me connaissez, dit découpe, dit ouais, faut que j'aie. Bien sûr, j'ai jamais trouvé ça. J'ai trouvé plein d'autres petits trucs, peut-être des trucs que vous avez déjà vus ou pas. Dans le doute, je vous montre, mais voilà. J'ai trouvé un Magic Foam. Foam. Je ne sais guère ce que c'est. Je sais juste que vu l'illustration, ça se chauffe au heat gun. Par exemple, là, la mousse, on l'appuie fort dans des boutons et après, ça fait un tampon. Alors, concrètement, comment on va se laver la mousse? Enfin, comment ça se... On enlève l'encre après, je ne sais pas. Et est-ce que si je réchauffe au heat gun, j'arrive à refaire un nouveau tampon? Si c'est ça, je vais vraiment être très fan du truc. Donc, test prochainement. Voir à mon avis une connaissance, je vais peut-être essayer ce soir, je sais pas, mais voilà quoi. Ça me tente énormément, énormément. Voilà. Juste après, à savoir si falloir que je... Je sais pas. Alors, que je puisse réutiliser ou pas. Donc, je vais vraiment bien réfléchir. Il y avait des... Aucune idée. Ce dont moi, je me sers comme pochoir. C'est-à-dire, c'est pas des dice. Il y avait un adorable petit mignon de Noël. Avec des petites boules de Noël. Donc moi je m'en, ouais, je pense, enfin vraiment, vu l'épaisseur, c'est du pochoir pur et dur. Attends, de toute façon je vais faire du bruit. Ouais, c'est du pochoir métallique. Donc c'est parfait. Donc, un petit minouche de Noël, avec des boules de Noël. On a un magnifique bonhomme de neige. Donc ça, pâte à structure ou encre. Hein. Le papillon. Et une fleur. On va peut-être même mettre une poinsettia, tiens. Concrètement, il y a d'autres. Hein. Il y a eu un oiseau, cette fleur-là. Bon, la fleur et le papillon, j'ai. Et là, pour Noël, on a normalement. Bon, moi, j'ai eu que le bonhomme de neige dans le mien, mais il y a aussi une couronne, un traîneau et. Oh, c'est joli ça, une petite maison enneigée. Et sur celui du chat, pareil. Hein. Moi, il n'y a eu que le chat, mais. Il y a un lapin avec des étoiles. Quoi d'autre? Un ange dans les nuages et une petite biche dans les ronds, dans les flocons, je ne sais pas. En tout cas, j'aime beaucoup. Les chats, je dois avoir deux ou trois tampons. J'ai pas de chat. J'ai eu un chat. Mais non, j'aime bien. Ça change les petits sujets de Noël habituels, etc. Enfin, le bonhomme de neige. C'est un peu plus classique. Ensuite, il y a quelques trucs hein, qui sont pas scrap que je vous montre pas. Genre trois habits que j'ai trouvé qui sont une cape, dont une cape en laine. Oh, moi qui adore les capes. L'hiver, moi, c'est sous-pull et gilet. Alors, beau gilet en laine ou belle cape. En fait, j'ai pas de pull. on a de la marque Stanford Home. Oui, bon, je sais pas si c'est connu ou pas, mais. En tout cas, la senteur, elle est vraiment divine. Pardon. Lavande. Ça sent pas vraiment la lavande. Enfin, c'est plus léger. Ça sent un peu le savon lavande. Donc ça, pour la chambre. Et là, on a coton. Parce que moi, tout ce qui est senteur coton. Oh là 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 là. Je ne supporte pas les odeurs vanille. Il y en avait vanille. Pardon, bah décidément, hein, ça va passer. Et au fait, je me suis demandé si je voulais montrer ou pas. Et en faisant ça, je me suis aperçue donc elle coûte 2 euros. Et là, elles m'ont coûté 1,48 € ma foi. Ensuite, alors attendez, parce que c'est pas le tout de vous les montrer. Après, il faut que je leur trouve de la place. Et après, il faudra que j'aille encore les ranger. Nous avons ça. Vous allez me dire qu'est-ce que ça vient faire là? J'en sais rien. Pour l'instant, j'ai pas réfléchi, mais je suis sûre que ça me servait pour le scrap. Et je n'en ai aucune. Donc, comme là, il y a un taquet pour. Je sais pas, il n'y a pas de prix. De toute façon, j'ai trouvé ça dans un truc où ça n'a rien à voir encore.
Comme d'habitude, je me suis dit, je suis sûre que tu arriveras à trouver un truc avec mon métal. Là. Ensuite, niveau papier, concrètement, il y avait des blocs 20-20. À part un motif qui me plaisait bien, donc du coup, j'ai essayé de côté, j'ai pas pris, parce que papier, j'en ai déjà 3 milliards. Il y avait aussi des paquets de feuilles qui n'avaient pas l'air bien épaisses sur le thème de Noël. Une couleur unie derrière et une demi-feuille avec des motifs et l'autre demi-feuille avec des motifs. Donc je pense que pour plier tout ça niveau carterie, c'est nickel. Par contre, c'était un paquet de feuilles, mais genre vous aviez 20 ou 30 feuilles identiques. Donc moi, ça n'a pas d'intérêt pour moi. J'ai pris celui-là. Peut-être qu'on l'a déjà vu. Moi, personnellement, c'est dans les Paperpad, là, les Studio Light que j'ai pas mal. Je ne sais pas si vous avez vu. Oh, il est sali en dessous. Oh, j'ai pas regardé. Oh, poirque. Ce qui m'a plu, c'est ça. C'est le noir et orange. Le orange là et encore. Mais là, le noir et les verts là et orange. Qui, bien sûr, pour mon mini Halloween, pour mes nièces, nickel. Bon, j'en ai pris qu'un, parce qu'encore une fois, ça fait partie des blocs que j'achète pour... Là, je vous ai montré, ça fait 6 feuilles. Donc, on va pas faire une collection, et Halloween, c'est qu'une fois l'année. Ensuite, on a des enveloppes dans les vertes légèrement, je sais pas si ça se voit, marbrées. Et il y avait les mêmes en crème. Donc, soit pour mes petits envois d'ATC... Soit pour le coup, pourquoi pas un album, hein, vous me connaissez. En plus, marbré comme ça, enfin, moi j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Ça c'est... Bon, ça je ne sais pas si je vais vous le remontrer. Hein. Vous avez de la feuille classique. Mais il y en avait, et blanc, j'en ai pas. Il me reste quasiment dans les blocs cardstock action, il me reste que les crèmes. Donc à un moment donné, ça suffit. Ensuite, on a ça, il y en avait plein. Soyons très clairs. Seulement, c'est pas mon délire. Le tissu, etc. Coller du tissu. Ce qui m'a tapé dans l'œil, c'est celui-ci. Le violet rayure. Parfait pour Halloween. Bravo. Et derrière, c'est pour faire des petits oiseaux, des petits je sais pas quoi. Enfin, ce que je ne ferai pas moi. Mais il y en avait plusieurs. Hein. Bon, après, les autres papiers, je sais pas où je les réutiliserai. Je sais pas. On verra. Ça n'a rien de secret, c'est juste que j'adore, ils en ont plein de temps, hein. J'adore le motif, il y a l'espèce de bleu lavande, c'est pas un bleu franc, et ça va être le fameux cahier pour mes envois, et pour être sûr de quand j'ai envoyé, et après, ben, je verrai, je ferai peut-être comme Kat, je vous demanderai de me faire coucou, de me dire c'est bon, j'ai reçu. Comme ça, je ferai des croix parce que je me suis tellement fait peur avec l'envoi de Sonia, là, de nos mamies, et en me disant je me suis gourée, je ne lui ai pas envoyé. Avoir un vieux doute, plus possible maintenant. Voilà, donc un article de papeterie tout bébête. Ensuite, j'ai pris ça, qui n'a rien d'exceptionnel. Hein. Enfin, j'ai trouvé un peu cher quand même, mais bon, c'est pas grave. Tout simplement, ce qui m'a plu, c'est là. C'est le mot photo et l'appareil photo. Parce que quand je fais des albums, parfois, moi, je sais où je devrais mettre la photo ou... et si j'envoie, je me dis des fois la personne elle doit se dire mais qu'est-ce qu'elle a voulu faire et tout, tandis que là j'aurais et le truc et ça. Bon, un petit flèche là, elle resservira. Ça sur des fonds ronds, là c'est pas mon truc, ça peut toujours servir. Des chevrons comme ça, j'en ai pas. Oh, Dream, pourquoi pas. Time, je sais pas trop si ça me servira, mais quoique. Ok, à fond dans les engrenages et les horloges, hein, pourquoi pas. Donc voilà. Mais je l'ai trouvé un peu cher, soyons honnêtes. Et alors, la bannette à bazar. Des fleurs et des fleurs et des fleurs. Alors, pour celles qui aiment les fleurs crochets, j'ai pensé à toi Chanel. Mais le souci, c'est qu'il n'y a ni blanc, ni rose, ni chabis. Donc, j'ai pas pris. Je ne t'en ai pas pris. Vous avez des fleurs crochets comme ça. Donc ça, c'est le bleu vert canard, là, bleu canard que j'adore l'hiver. Si je pouvais... J'avais deux pulls, comme ça, il ne m'en reste plus qu'un. Et j'ai, enfin, en laine, là, pour le coup, je vous ai dit que j'avais des sous-pulls et des gilets, c'est pas vrai. J'avais aussi deux pulls en laine, et il y en a un qui a rendu là, mais il ne m'en reste plus qu'un. Et c'est plus la couleur à la mode ou je sais pas quoi, donc c'est dommage, parce que moi, c'est ce que j'aime. On a des fleurs comme ça, tissu avec un œillet.
Alors, je ne vous ai pas dit prix, 59 centimes à chaque fois le petit sachet. Donc là, on l'a Bordeaux. Là, je les ai prises en bleu. Encore un bleu violet. Hein. C'est pas un bleu bien franc. Parce que moi, le bleu. Moi, j'ai été élevée par ma mère, c'est la Schtroumpfette. Tout est bleu chez mes parents, donc moi, j'ai un peu de mal. J'ai fait une overdose. Ça. Des fleurs, mais nœuds. Donc, j'ai trouvé ça super joli. Alors, j'ai pris jaune dans le vintage, ça passe toujours. Blanc et beige. Voilà. Celles-là, qui sont. Alors là, c'est pas flagrant avec la lumière, mais violette. Violette avec une perle au milieu. Chic, encore des fleurs à ranger dans ma boîte à fleurs. Et ça, puisque ça fait très automne. Voilà. Des fleurs automne, ça n'existe pas trop. Donc, vous avez un tissu, jardin, genre suédine. Ouais, même au toucher à travers le sachet. Comme de la feutrine et des fils en dessous pour faire les pétales. Donc voilà. Ensuite, il y avait. Je suis quand même désespérée de ne pas avoir trouvé les dies. Hein, parce que. Plein de petites ceintures comme ça aussi, là. Dans le bac de ça. Bah, 59 centimes. Hein, donc. Alors, concrètement, je les ai regardées. Il y avait des bleus, des jaunes, des blanches. Je ne sais plus. Et des roses. Parce que vous voyez, je me suis dit. Oh, oh, oh. Et puis après, j'ai regardé en me disant, mais tu vas en faire quoi, Audrey? Mais ça fait des ceintures de Père Noël. Ouais, j'ai décidé ça dans ma tête. Bon. Voilà, donc je les ai pris rouges, ma foi. J'ai trouvé, donc là, j'ai pensé, dans le même bac que les pochoirs, il y en avait, alors les couleurs, il y avait une espèce de bleu schtroumpf, rouge, vif, vert olive, et des blancs. Et bon, j'ai pris les blancs parce que je n'ai pas blanc. Donc, c'est pour Mix Media Acrylic Paint. Non, il n'y a pas de style, il n'y a pas de bille dedans. J'ai secoué, mais non. Donc, j'ai trouvé ça original. 39 centimes. Hein, on fera ce que ça fera. Et c'est surtout ce que j'ai regardé, c'est ça. C'est qu'il y avait un petit truc picot comme ça. Et que donc, pour faire des petits effets, là, au moment de Noël, ou même si, vu que j'ai compris l'histoire des effets qu'a réussi à faire... Chriscolor sur sa sucette, je me suis dit ça c'est pas mal, écoute Audrey, donc j'ai pris 39 centimes, ma foi, c'est pas de grande qualité, pas mourir pour 70 centimes. Ensuite, alors, ça j'ai repris, on a tous vu, sauf qu'en fait celui-là il est argenté, il se battait tout seul en duel, il est argent et c'est exactement ce que j'aime. Ça, ce que je vous ai dit, il fallait que j'investisse et là il y en avait. Donc après, c'est pas mes couleurs, ça reste encore des couleurs d'été, mais je pourrais me servir, j'allais dire du rouge, c'est pas du rouge, c'est du rose foncé. Bref, je sais que ça servira. Et pour finir, 75 centimes, ce washi note de musique. C'est que c'est aussi tout à fait mon délire. Il y avait une espèce de gros washi à pois doré, mais je me suis dit que je l'utiliserais pas. Donc à un moment donné, ça ne servait à rien. Et donc, parce que je suis en train de monter un petit peu ma boîte pour les 100 en février, me suis dit, j'avais une petite idée sur novembre à vous proposer, et quand même, comme ce sera pour me faire plaisir à moi, en gros, je vais faire comme quand elle avait fait. Je vous en parle déjà, mais c'est pas mis en place et c'est pas la peine de m'envoyer. On verra ça plus tard. L'idée... Ce serait que pour mon daily December, le 10, j'ai prévu une grosse page, que je reçoive, que vous fassiez, si ça vous dit, une carte Noël vintage, donc avec du rouge, du blanc, du vert, les couleurs exactement de mon Jump Journal, et à vous de décliner comme vous voulez. Mais vraiment vintage. Et si vous avez pas envie de le faire, vous le faites pas, c'est pas grave. Mais, comme ça sera pour mettre à la page de mon anniversaire dans mon daily December, il me semblait quand même judicieux de pouvoir vous offrir une petite bricole. C'est pas vous m'envoyez juste pour mon plaisir à moi. Moi, je vous envoie rien. Ouais, c'est moi la reine. Donc, donc, je me suis dit, mais prends des trucs en double, Audrey. Ça fera l'occasion d'un petit envoi, quoi, et d'un remerciement. Et pour l'instant, le truc, il n'est pas mis en place. Hein, donc, vous paniquez pas. Je ne demande qu'une carte parce qu'en effet, c'est Noël et que tout le monde va être débordé à plein d'autres trucs, au calendrier de l'Avent et je sais pas quoi. Voilà, puis moi j'attends pas 300 participations. Et une carte d'anniversaire, c'est bien.
carte d'anniversaire, mais avec Noël. Je me suis dit, eh ben, je vais leur reprendre un. Donc ça, c'est pas pour le concours des 100. Hein. C'est enfin pour une participation des 100 en février. Ça, je vais en reprendre un, on sait jamais. Hein. Peut-être que si c'est bien probant, en plus, ça vous plaira peut-être, ou vous saurez peut-être mieux l'utiliser que moi, ou j'en sais rien. J'ai repris un pochoir minouche, parce que je sais que chez beaucoup, beaucoup de scrapeuses, il y a des minouches. Et j'ai repris un pochoir... Ouais, le reflet du téléphone, c'est noir. Le reflet au-dessus aussi. Un pochoir, voilà, hein, petit bonhomme de neige comme ça. Donc ça, ce sera pour décembre. Bon, je rajouterai peut-être 2-3 petits trucs, mais sur l'idée, c'est pas... Oui, vous avez vu les prix, enfin voilà, c'est pas énorme, mais si ça peut dépanner certaines d'entre vous pour Noël, etc. Et puis moi, me faire un petit plaisir pour mon joyeux anniversaire, ça sera sympa. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Là, il y a fait beaucoup de vidéos aujourd'hui, mais en fait, je vous ai mis les tampons et ce que j'ai fait avec le tampon à la suite. Ça, c'est un plus et je vais pas attendre 15 jours pour la poster, quoi. Donc, voici le petit haul nose de la journée et du mois de septembre, parce que, ouais, j'y suis allée il n'y a pas longtemps. Bon, et ben, je vous souhaite une bonne soirée. Bisous!